Notre mariage à Arthès, le 1er septembre 1974. Les invités commencent à arriver. Lucien, Jeannine Goussu, Michel Goussu, Stéphane Bisoir, Suzon Royard s'il ne manque rien, mon oncle déjeune, mon oncle Roger revient de vacances en Grèce. Ma marraine a une mouche dans son verre. Ma mère distribue les toasts. Émilienne amène ce qui manque. Marie-Rose et Marie-Françoise discutent. Direction la salle à manger dans le garage à Jean et Suzon. Edmond avec ses cloches. Jean et Marie-Rose, Gilbert des Fontanelles, Pascal Goussu, la tante des Fontanelles et Lucien Bisoir. Les deux belles-sœurs se rejoignent. Mais la grand-mère, toujours curieuse, décide d'aller voir ce qu'il y a à manger. Ça la démange. J'y vais ou j'y vais pas? Allez, allez, viens, on y va. Mon oncle Roger prépare les photos. Jojo arrive, toujours décontracté. Nini attend Lucien et regarde la treille. Odette appelle les derniers invités. Régine arrive enfin. On se raconte les dernières vacances. Papy Roland et ses bêtises. Émilienne range. Les sœurs savent ce qu'on va manger, elles en discutent déjà. Roger assente. Jean ne peut s'empêcher de faire le clown. Michel Bisoir se lèche les doigts.
Michel Bizoire applaudit. Les cailles au foie gras arrivent. Après le repas, on discute, on rigole, on prend les photos. Après un bon repas, le lendemain, nous descendons tous à la valette. Régine se fait charrier par Jean. Le taxi pour remonter aux Fontanelles. Suzanne porte sa fille Laurence sous le bras. Il n'y a pas d'escalator, mais les bottes de paille et les chaises suffiront. Jean ne manque pas une occasion de faire le pitre. Ne vont pas tarder à grimper. Voilà. Jojo discute avec Gilbert. Le taxi est complet. Les Parisiens admirent le matériel. Arnaud va tester la roue. Trop dur pour lui. Les vaches des Fontanelles surprises de voir autant de monde.